Pascal Biscromage, je suis à la tête de la société de Coupas Transport avec mon frère. Nous sommes co-gérants avec Philippe. Société de transport d'agrégats 100% Ben, liée au BTP. Un effectif de 70 personnes avec 60 moteurs. Et nous travaillons dans le local sur Nice et les environs. On a une réflexion vraiment bien avancée sur notre avenir et on essaie d'avoir un avenir un peu plus vert. Coupas Transport, c'est 24 000 km par jour. C'est énorme. Ça implique de l'usure. Ça implique le besoin d'avoir du matériel adapté par rapport au parcours qu'on fait et l'utilisation qu'on va en faire sur le relief des départements des Alpes-Maritimes. La Côte d'Azur, vous savez, c'est pas que le Festival de Cannes et les plages et les paparazzis. La Côte d'Azur, c'est un vrai lieu d'essai. L'été, c'est une température très chaude et c'est très pentu. Il y a beaucoup de pentes, beaucoup de virages et de l'altitude et du froid. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans notre département, on a la route la plus haute d'Europe. Et voilà, c'est ces opposés qui font que c'est un laboratoire d'essai incroyable pour le pneumatique. Alors, on a été approché par le commercial de Bridgestone pour une nouvelle gamme de produits et on nous a proposé la gamme du Ravis. On l'a employé sur nos véhicules et les retours ont été vraiment positifs parce qu'on était vraiment sur un mix de travail où on pouvait faire de la route, on pouvait faire de l'approche chantier, on pouvait faire du régional, on pouvait faire du départemental et on arrivait avec ce peu de mixte à trouver notre bonheur sur l'utilisation. Il y a une résistance au roulement qui est beaucoup moindre. On a estimé notre économie de carburant de 1 litre à 1 litre et demi au 100, c'est énorme. La robustesse, on gagne jusqu'à entre 15 et 20% de kilomètres en plus de rentabilité sur le pneu. Le Ravis maintenant fait 100% du parc. Je m'appelle Priscilla, j'ai 30 ans. Je suis chauffeur chez Courbès depuis 11 ans. Ce que j'ai remarqué avec la gamme du Ravis, c'est moins d'embourbement sur les sites de terre quand on va sur les décharges. Après, quand on fait de la montagne, parce qu'on en fait quand même pas mal, étant donné qu'on a la carrière qui est située en zone montagneuse, le véhicule ne glisse pas. Vraiment, il accroche la route et on se pose pas de questions. Est-ce que dans le virage, ça va pas partir? Après, même sur temps de pluie, rien à dire. Confort sonore. On n'a pas vraiment le bruit du pneu sur l'asphalte et pas de tremblement parce que ça m'est arrivé auparavant, c'est insupportable. Alors oui, on le sent plus performant et plus fiable aussi pour notre conduite au quotidien. C'est agréable. Alors avec le Duravis, j'ai battu un record au niveau de la société avec normalement une donnée de 50 000 km en BNTP sur les pneus. Aujourd'hui, je suis à 66 000 km avec le même train de pneus arrière sur mon tracteur. Alors la polyvalence, c'est le maître mot de cette gamme. C'est-à-dire maintenant, on n'a plus que deux tailles de pneus. La gestion du pneumatique est prépondérante chez nous. Si on arrive nous à gérer ça, on arrive à limiter les coûts et à pouvoir avoir une rentabilité et des ratios cohérents sur notre chiffre d'affaires. On est au rendez-vous de ce qu'on nous a promis. Notre choix était porté sur de la production donc européenne au maximum. Donc le Bridgestone et la gamme du Ravis est rentrée dans le cadre de notre choix. Bridgestone a tous les équipements de rechappage sont en France. Dans le circuit court, c'est quelque chose qui fait partie de notre évolution et de notre charte. On est présent pour faire évoluer le produit et Bridgestone sont là pour nous faire évoluer aussi. Notre métier, c'est de l'anticipation. Au niveau de la conduite, au niveau de plein de curseurs au quotidien, c'est l'anticipation. Et la solution pneumatique connectée, c'est l'avenir. Il y a des technologies avec des bus qui sont embarqués dans le pneumatique, qui sont carrément moulés dans le pneumatique pour avoir une gestion de parc assez pointue et assez précise. Au niveau des usures, au niveau des pertes de gonflage, ça c'est quelque chose qu'on va mettre en place, c'est inéductable.